Ce bébé s'appelait Lubin. Il avait à peine 2 mois. Et le 5 décembre 1994, il est mort seul aux urgences de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Tout seul. Ni sa maman, Magali Guillemot, ni son papa, Jérôme Duchemin, n'étaient là. Lubin était dans le coma depuis 48 heures. Et quand on a fait des radiographies de son petit squelette, on a découvert qu'il avait 5 fractures. Lubin était donc un enfant martyr, massacré par son père ou par sa mère, ou alors par les deux à la fois. Mais quoi qu'il en soit, depuis, la justice a tranché. Il n'y a qu'un seul coupable, et c'est elle. 15 ans de réclusion criminelle pour la mère du petit Lubin. Coupable. Magali Guillemot, la mère du petit Lubin, ce bébé de 2 mois mort pour avoir été maltraité. Coupable, c'est le verdict des jurés. Innocente, c'était le jugement de sa mère. C'est honteux. Quelle est votre réaction à ce verdict? C'est honteux, absolument. Ma fille n'a rien fait, absolument. Il faudrait qu'elle soit devenue folle pour faire ce dont on l'accuse. Avoir pris l'enfant, le voir cogner. Magali n'a jamais été perdue la tête. C'est pas parce que j'arrive pas à exprimer une émotion qu'il faut que je reste 20 ans en prison. Je veux dire, c'est quand même monstrueux. Aujourd'hui, je considère qu'une erreur judiciaire a été commise et je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour la réparer. Tellement convaincue de l'innocence de mon client que je suis ravie. Je suis heureuse. Pour lui, surtout. Pour lui. Pour vous, c'est la vérité qui a triomphé? Ah, pour moi, oui. Triomphe de la vérité ou erreur judiciaire? En tout cas, le verdict de Nanterre ne passe pas inaperçu, car devant les assises, il y avait un couple. Magali Guillemot, la mère, Jérôme Duchemin, le père. Tous deux accusés d'avoir causé la mort de leur bébé. Le soir du 23 novembre 2000, jour du verdict, les jurés ont fait un choix. Le père est innocent et libre, la mère est coupable et envoyée en prison. Paul Lombard, vous dites « erreur judiciaire ». Vous maintenez ? Je persiste et je signe. Je considère que la condamnation de Magali est vraiment, et vous savez, je suis quelqu'un qui pèse ses mots, une erreur judiciaire. Et j'espère que le recours en grâce que je dépose entre les mains du président de la République, et qu'au-delà, le recours que j'ai tenté et que je tenterai jusqu'à mon dernier souffle devant les juridictions européennes prospéreront. C'est la mort de mon enfant. Ma vie s'est écroulée, en fait, quand je l'ai perdue. Et c'est vrai qu'après, ça a été une longue descente aux enfers. Philippe Bilger, dans cette affaire, certains croient à l'erreur judiciaire. Et vous, vous y croyez? Non. Non, non, je ne crois pas du tout à l'erreur judiciaire. Et si j'avais pu penser un seul instant y mettre la main et l'esprit, je n'aurais pas requis ce que j'ai requis en appel. Pourquoi est-ce que les gens croient à l'erreur judiciaire, d'après vous? Mais tout simplement parce que lorsqu'il y a 2 accusés dont l'un a été acquitté la première fois, dans une affaire psychologiquement troublante, c'est presque humain de continuer à distiller un doute et une inquiétude. D'autant que dans cette affaire, il n'y a pas de preuves, pas d'aveux, pas de témoins directs. Le drame s'est joué à 8 clos, dans l'intimité du couple. On a l'impression que c'est le couple qui a provoqué le drame. On a l'impression que Magali Guillemot seule se serait jamais retrouvée devant une cour d'assises, que Jérôme Duchemin seul ne serait jamais retrouvé devant une cour d'assises et qu'il n'y aurait jamais eu ce drame si ces 2 personnes ne s'étaient pas rencontrées. En apparence, ils s'aimaient, mais de leur amour est née la mort. Le 5 décembre 1994, Lubin Duchemin, petit bébé de 56 jours, meurt, seul, à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Ses parents ne sont pas là. Quand ils arrivent, il est trop tard. Depuis 3 jours, l'enfant est hospitalisé au service des urgences pédiatriques, dans un coma profond. Le scanner a révélé de graves lésions au cerveau et une fracture de la voûte crânienne. Le bébé est mort d'hémorragie cérébrale. Dès le lendemain, le chef du service de pédiatrie alerte la police, qui ordonne une autopsie. Le verdict est terrible. Fracture de la clavicule, fracture du bras, fracture du tibia avec arrachement osseux. On a frappé Lubin à mort. Certaines fractures sont anciennes. Elles datent de 15 à 20 jours avant l'hospitalisation. Pour les policiers, c'est évident, Lubin a été martyrisé. Pour nous, ce qui était le plus important,
c'était qu'il y ait des fractures qui soient de datation différente. Parce qu'il peut arriver un accident, il peut arriver une chute d'un bébé. On n'est pas à la merci d'un problème. Maintenant, plusieurs fractures de datation différentes, là, c'est une suspicion qui est plus importante. Donc, on peut effectivement supposer qu'il y a eu quelque chose de beaucoup plus grave, des gestes d'égarement, d'énervement et autres. Les médecins sont unanimes. Le bébé a été battu. Or, depuis sa naissance, Lubin n'a vécu qu'avec ses parents et avec personne d'autre. Immédiatement, dans l'esprit des policiers de la brigade des mineurs, c'est clair, il n'y a que deux suspects, Magali et Jérôme Duchemin. La mère et le père. Le 8 décembre, ils sont arrêtés ensemble et placés en garde à vue. On pensait qu'il y aurait au moins un des deux qui puisse, par son témoignage, nous guider sur les errements de l'autre. Et c'est un petit peu là où ça a péché, c'est que c'est vrai qu'il y aurait pu avoir un témoin potentiel, puisqu'on ne peut pas admettre que les deux aient pu porter les coups, ça paraît vraiment impensable. Donc, un aurait pu effectivement évoquer les problèmes rencontrés par l'autre. Mais Magali dit avoir une entière confiance en son mari. Et Jérôme n'a jamais vu sa femme avoir le moindre geste d'énervement avec le bébé. Et pourtant, ce sont eux qui ont la clé du mystère. Dès le départ, on pense que les explications les plus importantes qu'on aura, c'est par la mère. Même si on pense qu'il n'y a pas au départ plus coupable que lui. C'est elle qui s'occupe de tout le temps de l'enfant. C'est d'abord une mère, elle doit ressentir les choses. Et c'est elle qui peut nous donner des explications. Or, elle en donne le moins possible. Inlassablement, Magali Guillemot dit aux policiers « Je n'ai pas d'explication ». Et quand elle en trouve, elles ne tiennent pas la route. Elles parlent de l'utilisation de forceps à la naissance qui expliquerait la fracture du crâne ou d'une jaunisse qui aurait fragilisé les os du bébé. Pour les médecins, ça ne tient pas. Au deuxième jour de garde à vue, c'est une jeune femme policier qui est chargée d'interroger Magali Guillemot. Avec elle, peut-être acceptera-t-elle de parler. Déception. Elle concède tout juste un petit choc de la tête de Lubin contre une porte entrebâillée. Mais dit-elle, l'enfant n'a même pas pleuré. Je lui expliquais qu'en fait, un tel choc, aussi minime comme elle me le décrivait, ne pouvait pas être à l'origine de telles blessures et que la vie médicale était dans ce sens. Et qu'elle n'était pas logique et rationnelle à ce sujet-là. Et c'est là où elle renchaîne et qu'elle m'explique qu'effectivement, elle n'a pas de solution, qu'elle n'a pas d'explication et qu'elle n'en a pas à me fournir. L'interrogatoire tourne court. Magali Guillemot s'est enfermée dans un silence très troublant. C'est vrai qu'elle avait une attitude avec un certain détachement et elle prenait un petit peu les choses de haut. Je me disais qu'en tant qu'être humain et en tant que maman en plus, on était censé trouver une explication ou alors en demander une explication. Et non seulement elle n'avait pas d'explication à me fournir à moi en tant qu'enquêteur, mais non plus elle n'en demandait pas. Elle n'en a jamais demandé. Le père, lui non plus, ne peut pas expliquer la mort de son fils. Et lui aussi n'évoque qu'un incident mineur. Il lui aurait cogné la tête contre le four à micro-ondes. Ça ne tient pas. Le choc est sans rapport avec la gravité des blessures. Mais lui au moins, semble bouleversé. Jérôme Duchemin, lui, réagit beaucoup plus. Il est effondré, mais il est effondré surtout parce qu'il se rend compte qu'on leur demande des explications à eux deux et à leur couple. La mère de Lubin semble mieux supporter la pression de la garde à vue. Mais son mutisme et son absence d'émotion lui donnent déjà l'allure d'un coupable. En fait, la façon dont s'est passée l'audition, si je n'avais pas de conviction avant, m'a permis d'établir qu'il y avait quand même quelque chose qu'elle nous cachait. C'est là qu'un témoignage fait basculer l'enquête. La voisine du couple Duchemin, deux jours avant l'hospitalisation de Lubin, elle a rendu visite à Magali, restée seule avec son bébé. Et dit-elle, cette visite lui a glacé le sang. Dominique, le témoignage de la voisine, Madame Chazotte, va être déterminant dans la condamnation de Magali Guillemot. Qu'est-ce qu'elle raconte ?
Madame Chazotte. Il est plus encore que déterminant, il est crucial. Madame Chazotte, elle habite l'appartement qui est juste en dessous de celui de Magali et Jérôme Duchemin. Mmh. Hein? Les policiers vont tomber sur elle un peu par hasard en faisant leur enquête de voisinage. Ils vont sonner aux portes et ils vont obtenir, recueillir son témoignage. Et elle leur explique, qu'elle la connaît bien, qu'elle se fréquente, qu'elles ont sympathisé, qu'elle est venue me voir 4 fois avec Lubin, chez moi, donc, à propos de Magali. Dans les 8 semaines dans les 8 semaines de sa courte vie. De la courte vie du petit Lubin. Magali Duchemin me paraissait bien s'occuper de son enfant, avec lequel elle se montrait douce. Je n'ai jamais pensé qu'elle aurait pu maltraiter son enfant. Cependant, dit Isabelle Chazotte, je voudrais vous signaler que le mercredi 30 novembre... Donc c'est quelques jours avant la mort de Lubin. Hein. C'est 5 jours avant la mort de Lubin. J'ai rendu visite à Magali chez elle et j'ai constaté que Lubin présentait un gros bleu sur le front et un autre bleu au sommet du nez, entre les yeux. J'ai aussi constaté que Lubin avait l'œil injecté de sang comme si l'œil avait reçu un coup. Mais qu'est-ce qu'elle dit, Magali, là-dessus? Elle lui donne une explication? Non, pas un mot sur les traces que porte Lubin sur le visage. En revanche, elle lui dit « Tiens, je suis allé voir le pédiatre, parce que Lubin avait des régurgitations de sang, le médecin a pensé à une œsophagite. » Voilà. Elle ne lui parle pas des bleus. Et dans le procès-verbal recueilli par la police, Isabelle Chazotte, la voisine, dit « Ça m'a glacé le sang. » Ça m'a glacé le sang. Et elle est tellement choquée, Isabelle Chazotte, qu'en rentrant chez elle, elle va prévenir son mari et lui dire ce qu'elle a vu chez Magali Duchemin. Il se trouve que ce jour-là, je crois qu'il y a des photos qui ont été prises. Le 30 novembre. Oui. Le 30 novembre, Magali Guillemot, la maman de Lubin, a fait des photos. Elle a pris des photos de son fils. Et sur ces photos, qui ont été en partie versées au dossier d'instruction, la police les a saisies, on voit quelques marques sur le visage de Lubin, mais ce n'est pas probant. C'est assez clair quand même. On voit des hématomes autour de l'œil, sur l'arcade sourcilière, un peu ici à l'intérieur de l'œil. Oui. Ça correspond assez, malgré tout, aux déclarations de Mme Chazotte. Ça correspond aux déclarations de Mme Chazotte. Sauf que, elle, quand elle a vu Lubin, c'était peut-être plus évident que sur de simples photos. Pour les policiers, ce témoignage de la voisine est essentiel. D'autant qu'ils savent, grâce aux interrogatoires, que ce soir-là, le 30 novembre, pour la première fois, Jérôme Duchemin, le père, n'a pas donné le biberon à Lubin en rentrant de son travail. Habituellement, il donnait toujours le biberon du soir vers 11h30, minuit. Et ce jour-là, lorsqu'il y a la visite, le même jour que la visite de Madame Chazotte, le biberon est donné par Magali, sans autre forme d'explication. Il ne s'est pas inquiété outre mesure, il n'a pas questionné son épouse là-dessus. Nous avons questionné effectivement Magali pour savoir pourquoi ce jour-là, elle lui avait donné le biberon. Et comme explication, elle nous a dit qu'elle voulait changer le rythme de l'enfant qu'il lui avait donné elle-même le biberon. Résultat, avant de se coucher, Jérôme Duchemin n'a pas vu son fils de près. Et donc les bleus décrits par la voisine ont pu lui échapper. D'autant que le lendemain matin, il dit avoir quitté l'appartement très tôt pour aller travailler sans avoir vu Lubin. Ça, ce sont des éléments pour nous qui ont été primordiaux. Parce que le père n'avait pas le moyen de voir cet hématome. Ça a été établi. Magali Guillemot a eu les moyens de les voir, ne pouvait pas les ignorer et n'en a parlé à personne. Pour les policiers, Magali Guillemot est une dissimulatrice, même si c'est elle qui a finalement appelé SOS Médecins et emmené Lubin chez le pédiatre. La conviction des policiers se renforce. C'est vrai qu'au fur et à mesure de l'enquête, on s'est orienté plus sur elle, puisqu'il faut quand même noter qu'elle s'occupait 24 heures sur 24 de l'enfant. Alors, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'elle ne pouvait pas ne pas entendre les cris d'un enfant. Si on part sur l'hypothèse que Jérôme Duchemin, en rentrant le soir, aurait pu avoir des accès de colère et s'en prendre à l'enfant lors d'un moment de dépression. Il n'est pas pensable qu'elle ne puisse pas l'entendre. Notre conviction de policier, c'était que la maman avait porté des gestes malencontreux à son enfant et qu'elle l'avait caché à son entourage. Après 48 heures de garde à vue, les policiers sont convaincus que le seul coupable, c'est elle, c'est la mère. Les policiers. Mais la juge d'instruction, elle n'en est absolument pas certaine. Il n'y a pas d'aveu, il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de preuve. Il y a juste des suppositions. Alors, eh bien, ce sont les deux parents que la juge envoie en prison. La mère et le père. Et elle ordonne qu'on fouille dans leur vie respective pour essayer de comprendre. Magali Guillemot aurait maltraité son bébé.
Alors on interroge ses amis, ses parents. Ils n'en reviennent pas. C'est impossible. Pas elle. Il faudrait qu'elle soit devenue folle pour faire ce dont on l'accuse, avoir pris l'enfant, l'avoir cogné. Magali n'a jamais été perdu la tête. Enfin, les psychiatres l'ont examiné, les médecins l'ont vu, les voisins l'ont vu, tout le monde l'a vu. On n'a jamais vu que Magali perdait la tête une seule minute quand même. C'est complètement insensé ce qu'on a raconté d'elle. Pour moi, c'était impossible. Il n'y avait pas de mobile, déjà, puisque je ne voyais pas pourquoi elle pouvait être désespérée à ce point-là. Et en plus, ça ne me paraissait pas plausible par rapport à son caractère. Magali Guillemot est fille de fonctionnaire. Elle le dit elle-même, elle a eu une enfance heureuse. Bonne élève, souvent première de sa classe, ses parents étaient fiers. Plus tard, elle est une adolescente timide, en retrait, qui souffre de son image. J'étais encombrée par mon corps, je me trouvais trop grosse. Mais côté lycée, c'est toujours le sans faute. Elle était très gentille, très agréable, elle réussissait bien. C'était encore mieux, c'est une affaire entendue. Nous sommes ses parents, mais nous n'avions eu qu'à nous louer d'elle. Elle a une scolarité exemplaire, elle était sportive, elle n'était pas coureuse, ce que les parents aussi apprécient. Après le baccalauréat et les classes préparatoires, elle intègre Centrale, la prestigieuse école d'ingénieurs. Et là, elle partage sa chambre universitaire avec Sophie Bouchoul, qui devient l'une de ses meilleures amies. Je n'ai jamais vu Magali Guillemot s'emporter ou être violente. Je le dis en connaissance de cause parce que on était pendant 3 ans ensemble et on était dans une résidence universitaire. Moi, il pouvait m'arriver alors de m'emporter vraiment violemment contre des gens que je trouvais absolument incorrects. Et Magali Guillemot n'a jamais fait ça. Côté affectif, hormis quelques flirts, c'est le désert. Disons que ça n'est pas sa priorité du moment. Ses études finies, elle entre au commissariat à l'énergie atomique. Mais elle se sent de plus en plus seule. Elle s'est trouvée au milieu de personnes qui étaient toutes mariées. Ses collègues n'étaient plus pas de son âge. Et à ce moment-là, sa sœur aînée s'est mariée et a eu une petite fille. La naissance de sa nièce est un déclic. Magali a 26 ans, maintenant elle aussi va fonder un foyer. Je pense qu'elle aurait vraiment aimé être à la place de sa sœur. Elle aurait vraiment, vraiment aimé. Je pense qu'elle a eu... À ce moment-là, je pense qu'elle a... Elle a vraiment ressenti ce besoin fort de... Mais d'être entourée, de construire quelque chose de familial, en fait. Hein. Elle avait envie de quelque chose, il fallait que ce soit tout de suite. Comme en plus, elle était douée pour pas mal de choses, c'était facile pour elle. Tout lui réussissait, si vous voulez. Donc, bon, ben, le mariage, l'enfant, tout ça, ça devait aussi réussir de la même façon. Pour rencontrer l'homme de sa vie, Magali Guillemot, la timide, s'inscrit dans une agence matrimoniale. Elle n'en parle à personne. Et quand la responsable de l'agence lui demande à quoi doit ressembler son futur mari, elle rêve d'un homme cultivé, grand, avec du charme, bref, du prince charmant. Et finalement, un jour, elle nous a annoncé qu'elle avait rencontré ce fameux musicien. Elle dit qu'elle l'a rencontré à un concert, lui jouait du violon, elle était spectatrice, et puis il la remarque, et c'est le coup de foudre. Voilà ce qu'elle raconte quand même. Ce fameux musicien s'appelle Jérôme Duchemin. Il est en réalité le troisième candidat proposé par l'agence matrimoniale. Il joue de l'alto dans plusieurs orchestres et enseigne la musique. Elle, scientifique, lui, artiste, le couple idéal. La première rencontre a lieu début août et Magali tombe sous le charme. Et elle était éblouie par ce garçon qui était beau parleur, grand. C'est vrai qu'il présentait pas mal physiquement. Il avait fait une ode, une petite ode de musique, donc ça l'avait complètement transporté. C'est vrai que les garçons avec qui elle résolvait les équations de maths lui apportaient pas de. Faisaient pas d'ode dans son. Elle était amoureuse. Ah oui, ça, elle a été complètement coiffée. Et là, tout va très vite. Trop vite, peut-être. En quelques semaines, présentation aux parents.
Et 3 mois après, installation dans un appartement. On ne reconnaît plus la timide Magali Guillemot. En fait, elle s'investissait dans une relation de manière complètement sincère et totale. Et donc ça, évidemment, moi, je ne l'avais jamais vu faire avant. Et donc, je pense que sincèrement, elle a été convaincue que c'était une relation profonde, durable, un amour vrai. Elle était tellement... Je pense qu'elle ne se serait jamais engagée si elle avait ressenti à ce moment-là que c'était... qu'il y avait du factice, ou qu'il y avait du faux, ou qu'il y avait de l'incompatibilité. Jérôme Duchemin, lui, se marie pour des raisons plus prosaïques. Jérôme Duchemin, d'accord, il va avoir une agence patrimoniale, mais c'est parce que il est complètement désespéré, parce qu'il sort d'une histoire d'amour qui a mal tourné pour lui. Et comme c'est quelqu'un d'un peu excessif, comme ça, il dit « je vais pas retrouver quelqu'un, je vais rester tout seul, donc je vais avoir une agence patrimoniale. Voilà. » Déjà, c'est pas du tout la même démarche. Hein. C'est pas du tout la même démarche. En plus, on apprend qu'elle, bon, elle veut trouver un mari. Donc, elle a un rêve comme ça d'être l'épouse de quelqu'un. Lui, il veut fonder une famille, il veut un enfant. Ça, c'est l'obsession de Jérôme Duchemin. Elle cherche le grand amour. Lui veut une mère pour son enfant. Début 94, ils annoncent à tous leur mariage. Elle s'est beaucoup investie dans ce mariage. Elle a pensé, très, peut-être naïvement, qu'il suffisait de ça pour que ça réussisse. Elle n'a pas vu qu'il n'y avait aucune réciprocité de l'autre côté. Tout le drame, c'est ça. Et de fait, il n'y avait pas de réciprocité. Il ne l'aimait pas. Et ça, il le dit à la juge d'instruction. Il voulait juste être papa. Vite. Juste avant son mariage, Magali s'en rend compte. Quelques semaines avant de dire oui, elle se demande si Jérôme est bien le prince charmant dont elle rêvait. Et un jour, au mois de mai, elle me téléphone en me disant « Tu sais, je crois que je ne vais pas me marier. » Ah bon ? Un peu éberluée, puisqu'on était... Je ne savais pas qu'elle était enceinte, là, quand même. Alors... Ben, je lui dis, tu as des raisons valables. Oh, elle me dit, oui, Jérôme n'est pas du tout gentil avec moi, il me laisse toujours seule. Je ne vois pas quelle vie je vais avoir avec lui. Alors, effectivement, j'aurais peut-être dû sauter sur l'occasion et tout annuler. C'est certain que on se... Vraiment, je me dis que j'étais lâche, hein, de ne pas... Je lui dis, réfléchis bien, le mariage est lancé. Puis elle a laissé tomber. Effectivement, à ce moment-là, Magali est enceinte. L'enfant a été conçu le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Elle n'en dit rien à ses proches. Elle a peur de la réaction de ses parents. Elle n'annonce la nouvelle qu'à la veille du mariage. Et là, c'est la consternation. Tant qu'elle se mariait, qu'elle n'avait pas d'enfant, c'était pas... Bon, on divorce maintenant, c'est pas... C'était pas dramatique qu'elle fasse cette expérience. Mais dès qu'il y a un enfant, c'est quand même autre chose. C'était pas le moment. Moi, j'avais dit je me souviens à mes collègues, mais c'est vraiment trop rapide, c'est trop tôt, ce bébé. Je voyais pas du tout que c'était un couple qui était fait pour fonder une famille. Voilà peut-être la clé du drame. Jérôme et Magali ne s'aimaient pas. Lubin n'était pas un enfant d'amour. Il était le fruit d'un couple bancal. Jacqueline Amara et la substitut du procureur qui dirige l'enquête. Est-ce que vous trouvez, vous, que dans ce mécanisme qui les fait se rencontrer d'une manière assez médiocre et avoir un bébé de manière assez fortuite, il y a les engrenages qui mènent à la mort de Lubin ? Pour lui, en tout cas, c'est sûrement une période heureuse. Il a une femme qui attend un enfant, l'enfant va naître, tout va bien. En revanche, elle, de son côté, je pense qu'elle déchante considérablement de beaucoup de choses. D'abord, elle trouve que Jérôme Duchemin est l'incarnation même de la médiocrité. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est qu'il gagne très peu de sous. Et vraiment très peu. Et puis, il est singulièrement peu cultivé. En revanche, lui est extrêmement déçu par le tempérament de Magali. Je crois qu'effectivement, tout l'été, ils vont se regarder en face à face et en se disant mais qu'est-ce qu'on fait là ? Donc ce mariage, c'est une erreur de casting ? C'est une erreur de casting totale.
Et là, je crois qu'ils s'en rendent compte tous les deux, mais elle, elle s'en rend compte immédiatement. Qui voulait un bébé là-dedans? Lui tout seul? Elle n'en voulait pas? C'est les éléments qu'on a dans le dossier qui me permettent de penser que c'est un enfant qui est venu totalement fortuitement. Ils en voulaient un peut-être, mais pas là. Ah, pas là du tout, puisqu'ils envisageaient de se marier au mois de juin. D'ailleurs, sa mère va lui reprocher d'être enceinte en lui disant « J'ai déjà acheté la robe et il va falloir la changer parce que tu rentreras plus dedans. » Donc tout le monde est consterné. Ils voulaient se marier et avoir des enfants. Certes, c'était le but de leur rencontre, mais l'arrivée de Lubin chamboule tout. Le 10 octobre 1994, Lubin Duchemin voit le jour avec 5 semaines d'avance. Mais malgré cette naissance prématurée et une forte jaunisse, tout va très bien. Et autour de lui, apparemment, c'est le bonheur. Magali se dit comblée. Cette maternité est une révélation. Elle était émerveillée, un peu enfantine. Elle le mettait là devant, sur ses jambes, puis elle jouait avec lui. Un peu, se mettant au niveau du bébé. C'est vrai que c'était assez touchant. Mais n'ayant peut-être pas cet instinct de possession qu'ont les mères sur les nourrissons, elle le donnait facilement. Le papa peut donc s'occuper du bébé et Jérôme est fou de joie. Cette naissance d'un petit garçon l'enthousiasme et emporté par l'élan, il témoigne même de l'affection à Magali. Même si ça n'est pas la femme qu'il aime, mais la mère. Après une semaine passée à la maternité, retour dans leur appartement de Montrouge. Le bonheur n'aura pas duré longtemps. L'enfant, il va faire éclater au grand jour leurs différences, leurs oppositions, l'absence totale d'aspirations communes. D'après Jérôme, Magali ne sait pas s'y prendre, et d'après Magali, Jérôme est trop autoritaire. Lubin a tout juste un mois. Et déjà, Jérôme et Magali ne se supportent plus. Les parents de Magali le découvrent à l'occasion d'une réunion de famille. Magali est en train de donner tranquillement le biberon quand Jérôme intervient. Il a pris brutalement Lubin des bras de Magali. Tu sais pas faire. Et il lui a enfoncé le biberon dans le... Bon, on était interloqués. Ça nous a choqués dans le fond, parce que quand même, il n'y avait aucune raison qu'il fasse ça à Magali, et dans la forme, parce que c'était quand même carrément grossier. Moi, j'ai trouvé que c'était, de la part de quelqu'un qui prétendait être très bien éduqué, que c'était quand même une attitude complètement déplacée. Magali se sent humiliée par son mari. Elle avait les larmes aux yeux et elle était profondément troublée par l'incident et malheureuse et en colère en même temps de voir comment les choses se passaient alors qu'il n'y avait vraiment aucune raison. Ça m'a chagriné parce que je voyais bien là qu'il y avait une faille entre les deux. Plus tard dans l'après-midi, au moment de changer le bébé, l'attitude de Jérôme choque à nouveau les parents Guillemot. Ce qu'on n'a jamais dit et qu'il faut quand même dire, c'est qu'il s'enfermait avec cet enfant. Il ne voulait absolument pas que personne n'assiste à son tête-à-tête avec Lubin. Et c'est ce qui s'est passé chez nous. Il nous a mis à la porte parce qu'il ne voulait pas qu'on assiste au change de Lubin. Fichez-moi le camp, il nous a fait sortir tout le monde de la chambre. Il a fermé violemment la porte. Alors là, ça a été encore pire que le biberon. On s'est dit, mais on rêve, qu'est-ce que c'est cette attitude? Après cette visite, le couple se serait violemment disputé. Magali aurait menacé son mari de partir s'il ne changeait pas d'attitude. Dès lors, Magali et Jérôme ne s'occupent plus ensemble de leur enfant. Lui est de plus en plus absent du domicile conjugal. Et désormais, les tâches sont réparties en fonction de son emploi du temps. Lui s'éloigne. Il donne des cours de musique la journée. Le soir, il va à des répétitions où il joue dans des concerts. Et puis finalement, de fil en aiguille, elle s'occupe de Lubin la journée, lui la nuit. Il communique par post-it sur les horaires des biberons. Et voilà, quoi. Ce sont deux univers côte à côte qui ne communiquent pas. Et quand il communique mal. Le calvaire du petit Lubin commence. À la mi-novembre, première fracture, fracture du radius, fracture de la clavicule, fracture du crâne. Pourtant, quand Sophie Bouchoul rend visite à son amie, elle ne s'aperçoit de rien. La maman semble épanouie et le bébé tout à fait normal.
Il était petit comme un petit bébé qui a même pas un mois, et puis comme un petit bébé qui est né prématuré. Enfin, il était vraiment, c'était un tout petit bout de chou. Et il était très attentif aux voix, aux sons. Ça, j'en ai le souvenir. Et d'un bébé très calme, c'est-à-dire, il a pas du tout pleuré pendant tout le temps où on était là. Lubin a certes de petites marques rouges sur le corps, tous les bébés en ont, mais on ne peut pas s'imaginer qu'il est en marche vers la mort. Une semaine avant l'hospitalisation de Lubin, les parents de Magali voient leur petit-fils pour la dernière fois. Quand nous sommes arrivés, il sortait du bain, il était sur la table allongée à côté de la baignoire, il était magnifique. Vous n'avez rien remarqué d'anormal? Non, sur le corps, il n'avait absolument aucune trace. Ça, c'était absolument invisible, on l'avait tout nu. Jamais il avait de marque qui... Enfin, moi, je l'ai pas, j'ai jamais, on ne l'a jamais vu avec des marques qui pouvaient laisser à supposer qu'il était maltraité. Les médecins non plus ne voient rien d'anormal. Le bébé a l'œil rouge, une conjonctivite, dit un pédiatre. Un matin, il régurgite un peu de sang, une inflammation de l'œsophage, explique un autre médecin. Les fractures des membres et les contusions cérébrales passent totalement inaperçues. Docteur Auchard, vous êtes pédiatre, et moi je voudrais savoir s'il est possible qu'un enfant soit polyfracturé et que ça ne se voit pas. Oui, c'est possible. C'est possible surtout si l'enfant est tout petit. Les fractures chez les nourrissons n'ont pas les mêmes caractéristiques que chez un adulte. Et on peut casser un enfant sans qu'il y ait des traces sur le corps en dehors de la fracture. C'est-à-dire pas de bleu, pas de choses comme ça, pas de... Oui, c'est tout à fait possible qu'il y ait des arrachements, ce qu'on appelle des arrachements des os, qui sont simplement dus à une traction, sans qu'il y ait un coup direct qui va donner, là, à ce moment-là, une lésion des tissus entre les os et le cou. Là, on n'a pas le même mécanisme, donc on n'a pas les mêmes signes. Est-ce qu'il est possible qu'un enfant ait plusieurs fractures et qu'il ne pleure pas? Un enfant pleure, même quand il n'a pas de fracture. Et chez un tout petit enfant, rattacher les pleurs à la fracture, au moment où on le touche, où on appuie précisément à l'endroit de la fracture, peut-être qu'il va crier plus fort. Mais même peut-être pas forcément. Ce qui est douloureux dans une fracture, c'est quand ça bouge, quand les deux morceaux bougent. C'est pour ça qu'on met des plâtres autour. Et chez le petit enfant, si les deux morceaux ne bougent pas trop, il va moins crier, il va avoir mal, mais ça ne va pas forcément. Ça va être très difficile de faire le lien entre l'endroit où on appuie. Quelquefois, c'est comme ça qu'on les découvre, mais ça peut aussi ne pas se voir. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'un enfant maltraité, ça ne se voit pas toujours. Ah, ça ne se voit pas pour d'autres raisons. Ça ne se voit pas aussi parce que on n'a pas envie d'imaginer qu'un enfant est maltraité. Je pense que c'est la raison qui rend le plus difficile de voir la maltraitance, avant même le fait que les signes ne sont pas non plus forcément évidents à voir. Mais qui n'a pas envie? Le père peut ne pas avoir envie de le voir? Que la mère maltraite? Qui n'a pas envie? La société en général. Pendant très très longtemps, on n'a pas vu la maltraitance. Dans certaines formes de maltraitance, on demande des expertises, des contre-expertises, des examens, d'autres examens, pour vraiment accepter l'inacceptable, se dire qu'un enfant a pu être maltraité. Plus l'enfant est petit, en plus, plus on n'arrive pas à y croire. Durant l'enquête, Jérôme Duchemin, le père, ne dit pas qu'il n'est pas responsable. Il a peut-être fait du mal à Lubin sans le vouloir et lui-même se pose des questions sur ses gestes envers l'enfant. On lui dit, écoutez, monsieur Duchemin, voilà, votre fils est dans tel état. N'imaginant pas un seul instant que la mère ait pu le faire, il se dit, il cherche les explications. Il se dit, c'est peut-être moi, c'est vrai que je suis violent, alors peut-être que je ne sais pas y faire avec un bébé, peut-être que je l'ai cogné, peut-être que... Voilà. Voilà dans quel contexte cette violence, enfin la narration de cette violence apparaît. Quand la juge d'instruction l'interroge la première fois, Jérôme Duchemin reconnaît que Lubin l'a agacé. Il le trouvait caractériel. Il dit même avoir eu des gestes brusques sur son enfant. Pour les biberons par exemple, il le maintenait fermement par les jambes ou par les bras pour l'empêcher de gigoter.
Il se demande si, à tel moment, ayant eu un geste un peu brusque, est-ce que ça a pu provoquer une fracture, ou lorsqu'il lui a fait faire l'avion, comme on le fait avec les enfants. Heureusement, il semble qu'on ne le fasse plus, parce que c'est incontestablement un risque, ça c'est une évidence, mais il est dans cette recherche. Jérôme dit au juge que ces gestes brusques peuvent peut-être être à l'origine des blessures de l'humain. Moi, je considère que ce sont des aveux, parce que comment voulez-vous les appeler ? Comment voulez-vous appeler ce qu'il a dit, alors, si ce n'est pas des aveux ? Des aveux, pas tout à fait, car Jérôme Duchemin ne sait pas expliquer les lésions cérébrales les plus récentes. Il a peut-être été un peu brutal, mais de là à tuer Lubin, ça non. Le coup fatal reste donc une énigme. Le père répond pendant plus de 8 heures à la juge d'instruction. Et pendant tout ce temps, il est dans l'autocritique. Il fait de lui un autoportrait sans concession. Oui, il est impulsif. Il dit « Oui, j'ai toujours été violent, c'est dans mon tempérament. » Il va même chercher des histoires dont personne n'a jamais entendu parler. De quand il était petit, où un jour il aurait eu une pensée violente envers sa mère et il se serait dit « Je vais lui casser un vase sur la tête. » Lui-même le raconte, ça. Qui aurait été chercher des choses pareilles ? Il s'accuse et jamais il n'accuse sa femme. Il dit même l'avoir trouvée trop maternante avec Lubin. Alors, a posteriori, les parents de Magali y voient des aveux, la preuve de l'innocence de leur fille. D'un côté, il y a tout de même des faits et gestes qui sont quand même de nature à se poser des questions. De l'autre côté, il n'y a rien. On pense que Magali va sortir, qu'on va quand même arrêter l'affaire là, puisqu'il a quand même reconnu avoir fait du mal. Ça paraissait quand même pas plus compliqué que ça. Hein. Depuis le début de l'enquête, Jérôme et Magali sont en prison. Avant d'éventuellement libérer l'un d'entre eux, la juge attend l'avis des experts médicaux. De sa cellule, Jérôme écrit à sa femme « Je t'aime ». Et j'ai confiance en toi. Au fil des mois et des lettres, Jérôme lui témoigne toujours son amour et son respect. Tu restes ma femme, mère de notre fils. Magali, elle, dès son premier courrier, parle de divorce. En prison, Jérôme compose aussi de la musique qu'il dédie à une certaine Adeline, une jeune musicienne. À elle aussi, il écrit des lettres enflammées. Elle est la lumineuse Adeline, la reine de Lubin. Et quand il signe des procès-verbaux, sa signature est un mélange des prénoms de femmes qu'il a aimées et du prénom de son fils Lubin. Qui écrivait des lettres d'ailleurs de la prison, mais qui étaient des lettres délirantes. Il avait en quelque sorte pas perdu la raison, mais... Comme un homme innocent qui vit une détention, c'était bien sûr extrêmement difficile. Donc c'est un homme vraiment désemparé et perdu. Les experts psychiatres décrivent Jérôme Duchemin comme un homme tourmenté, impulsif et psychorigide. Magali Guillemot semble beaucoup plus équilibrée. Aucun élément de violence n'apparaissait, aucune impulsivité non plus. L'impulsivité me paraît d'ailleurs étrangère à son caractère, tel qu'il a été vu par les uns et les autres. À ce point de l'enquête, Jérôme Duchemin, père et mari impulsif, a des allures de coupable idéal. C'est alors que tombe le rapport des experts médicaux. Dominique, vous avez en main le rapport des experts médicaux. Rapport qu'ils remettent, c'est important de le dire, 14 mois après la mort de Lubin. Qu'est-ce qu'ils disent? Quelles sont leurs conclusions? Mais les experts disent que Lubin est mort des suites de mauvais traitements. Alors, ça a un nom, ça s'appelle le syndrome de Silverman, c'est le syndrome des enfants battus. Mmh. Et il y a le détail, je suppose, de l'ensemble des blessures. Il y a tout le détail, ce rapport, Christophe, c'est un cauchemar. Les experts ont travaillé à partir de radiographies, radiographie osseuse, radiographie des membres, du thorax, du crâne, de l'abdomen. Et d'abord, c'est très important de dire qu'ils ne constatent aucune fragilité osseuse constitutionnelle. C'est-à-dire qu'à l'origine, Lubin ne souffre pas d'une maladie des os de verre ou c'est un bébé normalement constitué. D'accord. Les radiographies, notent les experts, révèlent l'existence de plusieurs fractures d'âge différents. Des fractures d'âge différents, on comprend ce que ça veut dire. Oui, ça veut dire qu'il a été battu, constamment. Que ça s'est ressoudé, qu'il a été à nouveau battu, que ça s'est ressoudé, etc. Est-ce qu'on liste le nombre de fractures au total ?
on liste le nombre de fractures et c'est vraiment affreux. Fracture de l'os pariétal gauche, 15 jours avant la date du décès. Fracture du radius gauche, 3 semaines avant la date du décès. Fracture de la clavicule gauche, 15 jours avant le décès. Fracture du tibia gauche, 15 jours avant le décès. Fracture du tibia droit, très récente. Les contusions cérébrales sont récentes et peuvent être datées de quelques jours avant la date du décès. Formellement, qu'est-ce qui provoque la mort de l'enfant ? Un œdème cérébral, c'est-à-dire que son cerveau a gonflé et... Et l'enfant est mort. Et l'enfant est mort. Est-ce que ces expertises sont compatibles avec les déclarations du papa qui raconte qu'il a fait faire l'hélicoptère à son enfant, qu'il l'a un petit peu secoué, quoi ? Non, c'est impossible. C'est impossible, c'est écrit dans cette phrase. Au total, aucune explication fournie, sous-entendue par le père et par la mère, n'est compatible avec les lésions constatées, aussi bien concernant leur date que leur origine. Ça veut dire que l'un des deux, ou les deux en tout cas, ont menti. Ça change tout. Les gestes violents concédés par Jérôme Duchemin ne peuvent pas avoir provoqué la mort de Lubin. Alors, pour démasquer le ou la coupable, Isabelle Moëc, la nouvelle juge d'instruction, décide de mettre face à face Jérôme et Magali. Jacqueline Amara, la substitut du procureur, assiste à la confrontation. Pourquoi est-ce qu'on a organisé cette confrontation ? Le premier souci, c'est d'établir sans aucune contestation quel a été l'emploi du temps de Jérôme Duchemin. Donc, une partie de la confrontation va porter là-dessus, de même que vont être vérifiés tous les épisodes qui sont contestés, soit par l'un, soit par l'autre. Au point où nous en sommes arrivés, nous savons, le juge d'instruction le sait, on le sait à l'époque, on le sait quasiment dès le début, que ça ne peut en aucun cas être les deux ensemble. Et que ça n'est en aucun cas l'un avec la complicité de l'autre, ou même l'un avec l'autre qui ferme les yeux. C'est ou l'un ou l'autre. Pourquoi ? Il n'y a pas suffisamment de complicité entre cet homme et cette femme ? Non seulement il n'y a aucune complicité, mais ils reconnaissent tous les deux, et ça n'a jamais été contredit, qu'ils ne se parlent plus. Donc on ne peut pas les imaginer complices l'un de l'autre. J'aimerais que vous me décriviez la confrontation. On pourrait commencer par une photo. Vous avez un souvenir précis de... Un souvenir précis, d'abord je dois vous dire qu'elle a duré quand même 7 heures, ce qui est extrêmement long. Quelle est l'atmosphère ? Très bizarre. Très bizarre dans la mesure où c'est une atmosphère qui est... Du côté de Magali Guimot, on a vraiment l'impression qu'on est là en train de parler d'un dossier qui la concerne, d'accord, mais on est en train de parler d'un dossier. C'est pas elle, quoi. Elle n'y est pour rien et elle est très décontractée, elle sourit, ce qui est son droit le plus strict, hein. Mais c'est vrai qu'il n'y a aucune charge affective, émotive, ce qui peut paraître quand même curieux, parce qu'il s'agit quand même de son bébé qui est mort. Et même quand elle accuse Duchemin, ça n'est pas véhément, c'est extrêmement plat. Et lui ? De l'autre côté, vous avez un homme qui est assez recroquevillé sur lui-même et je dirais qu'il cherche désespérément quelque chose. Bon, il va pleurer à plusieurs reprises. Il est affecté, quoi, alors qu'il ne l'est pas. Et il va dire à la fin, tout ça c'est dégueulasse, on ne saura jamais qu'est-ce qui s'est passé, et c'est dégueulasse pour Lubin, c'est ses propres mots. Et puis il se met à pleurer, et c'est vraiment à la fin, moi je lui poserai la question en lui disant, Monsieur Duchemin, vous portez toujours votre alliance, après ce que vous avez entendu aujourd'hui, qu'allez-vous faire de votre alliance ? Et là, il va répondre, je viens enfin de comprendre que c'est elle qui l'a tué. Mais il n'est pas dans une position d'accusation. Et elle ne l'accuse pas, lui ? Ah si. Constamment ? Constamment. Ce face-à-face entre les époux marque le tournant de l'instruction. Désormais, le coupable, c'est Magali. Et 3 mois plus tard, en juillet 1996, la juge libère Jérôme Duchemin. La famille Guillemot s'organise. Les parents de Magali engagent maître Paul Lombard comme avocat. Et ils obtiennent une première victoire. Magali Guillemot est libérée, 3 mois après son mari, par la cour d'appel de Versailles, dans l'attente de son procès. Fin 97, l'instruction est close. À Nanterre, juge et procureur,
sont tombés d'accord. Personnellement, je demande à ce moment-là, dans mon réquisitoire, que Magali Guillemot soit renvoyée du crime de maltraitance habituelle ayant entraîné la mort. Et je demande à ce que Jérôme Duchemin soit renvoyé pour non-assistance à personne en danger. Car j'estime que il a quand même pas été bien attentif. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais ça ne va pas du tout se passer comme le souhaitait la juge d'instruction et le substitut du procureur. Car en lisant le dossier, la cour d'appel de Versailles prétend ne pas avoir suffisamment de preuves pour accuser la mère et dédouaner le père. Alors la cour décide de renvoyer Magali et Jérôme, tous les deux, devant les assises, pour la même accusation. Ce sera au juré de faire la part des choses. Le piège judiciaire vient de s'ouvrir. À ce moment-là, Maître Paul Lombard, qui défendait les intérêts des parents de Magali, devient directement l'avocat de Magali Guillemot. Pour vous, a priori, le fait que Jérôme Duchemin soit renvoyé devant les assises aux côtés de Magali Guillemot, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est jamais une bonne nouvelle lorsque quelqu'un est renvoyé devant les assises. Je considère, moi, que aller devant les assises, c'est, comment pourrais-je vous dire, un acte particulièrement grave. C'est une initiative que prend la société de demander des comptes à quelqu'un. Je ne me réjouis jamais de ces initiatives-là. Je dis simplement qu'il y avait un équilibre, que deux personnes pouvaient avoir commis le crime, n'ayons pas peur des mots, mais ce n'est pas parce que brusquement deux personnes se trouvent devant leur juge que forcément une des deux est coupable. C'est bien que comme ça une affaire soit quasiment laissé à l'appréciation totale des jurés, c'est-à-dire qu'on renvoie les deux et puis on voit ce que les jurés en sortent. La justice, c'est ça, vous savez. La justice, c'est confier à des hommes le sort d'un ou de plusieurs hommes ou de femmes, naturellement. La justice, c'est quelque chose qui ressemble un petit peu à ça. Mais je dois dire, comme c'est une justice humaine, il n'y a jamais de justice parfaite. La preuve, c'est que dans une affaire comme celle-là, je ne crois pas que le choix qui a été fait soit le bon choix. Pour moi, ce qui vicie l'affaire, vous comprenez, c'est que tout le monde est parti d'un théorème très simple. Si c'est pas l'un, c'est l'autre. Le 20 novembre 2000, les deux parents de Lubin se retrouvent dans le box des accusés. 6 années d'instruction n'ont pas permis de dire qui a tué l'enfant. Maintenant, la cour d'assises des Hauts-de-Seine a 3 jours pour le faire. 3 jours. La justice finalement demandait aux jurés et au public et à tous les gens témoins de ce procès de faire un choix, puisqu'on était, les jurés devaient répondre par oui ou par non. Est-ce qu'il n'y a qu'un seul des deux qui est coupable, c'est lequel? Voilà. Bon. Donc inévitablement, dans l'esprit de chacun, s'est dessinée une sorte de balance où, au fil des jours, on se disait mais non, c'est plutôt Jérôme, mais non, c'est plutôt Magali. Pour la première fois depuis des années, Jérôme Duchemin et Magali Guillemot se retrouvent côte à côte. Et donc là, on découvre dans le box des accusés une femme assez fermée, qui regardait tout le temps le sol devant elle, et qui était habillée avec un grand pull noir, qui cachait ses formes, et qui baissait tout le temps la tête, et à côté d'elle, son mari, donc Jérôme Duchemin, qui était lui, pareil, enfin, l'arrêt sur le côté, les lunettes un peu sévères, comme ça, droit comme un nid. Et franchement, aucun des deux n'inspirait quoi que ce soit. Elle est dans un coin du box, lui dans l'autre coin. Ils se tournent, autant qu'ils peuvent le faire dans les circonstances, ils se tournent le dos. Ils se tournent le dos. Pas un regard. On n'arrive pas à les imaginer avec un enfant. On n'arrive pas à les imaginer en tant que couple. Il y a une dissonance, il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui... Sur le papier, ils sont toujours mari et femme, mais depuis leur libération il y a 4 ans, ils se sont séparés et n'ont plus aucun contact. À l'audience, Jacqueline Amara, qui avait dirigé l'enquête en tant que substitut du procureur et qui était convaincue de la culpabilité de Magali Guillemot, se retrouve, comme souvent, avocat général, chargé de l'accusation. Lui a beaucoup changé, lui-même physiquement a changé. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il est ravagé. Il est ravagé. Moi, j'avais vu en confrontation un jeune homme assez torturé, mais je dirais physiquement, ça ne se voyait pas encore. Arrivé à l'audience, je l'ai trouvé, j'ai pas d'autre mot, je l'ai trouvé ravagé.
Jérôme Duchemin fuit les journalistes. Magali Guillemot, elle, se laisse filmer à la veille du procès. Elle aussi semble avoir changé. Elle était brune, elle est devenue blonde. Elle avait de grosses lunettes qui lui durcissaient un peu le visage. Et là, elle a des petites lunettes dorées qui bon, on a le sentiment qu'elle a été relookée, ouais, pour le procès. Oui, elle a changé d'apparence. Mais elle reste toujours aussi étrangement froide quand elle parle de la mort de son bébé. Elle, on n'a pas l'impression qu'elle parle de son enfant mort quand elle se défend. On a vraiment l'impression d'une petite fille prise en faute. Elle répond d'une voix très basse, monocorde, et elle semble surtout dégager très peu d'émotion. Cette absence d'émotion avait déjà glacé le sang de la voisine, Madame Chazotte, qui vient à la barre et raconte le calme incroyable de Magali quand elle lui avait présenté son bébé couvert d'hématomes. La pédiatre de Lubin, elle aussi, témoigne, même surprise devant le calme de la maman alors que son bébé convulse et tombe dans le coma. Devant une situation qui est aussi tragique, puisque la perte d'un enfant est un traumatisme tout à fait suprême, chacun réagit suivant sa personnalité. Et certains sont pétrifiés alors que d'autres vont se mettre à hurler ou à pleurer. Chacun son naturel. À l'audience, comme ils l'avaient fait devant le juge d'instruction, les deux parents reconnaissent des gestes maladroits, mais pas de violence volontaire. On a quand même des parents donc qui nient et puis qui parlent d'un petit coup dans le micro-ondes et puis oui, là, je lui ai peut-être un peu tordu le bras et puis là, je lui ai... Bon. Ce qui est en décalage complet avec les violences que Lubin a subies, hein, en décalage complet. D'ailleurs, il y a un expert au premier procès qui est venu montrer de quelle manière il avait été frappé pour que de telles blessures lui soient occasionnées. L'expert est un médecin. Et l'avocat général lui fournit le matériel nécessaire à sa démonstration, en l'occurrence une poupée en plastique de la taille d'un bébé. J'ai décidé d'aller acheter un baigneur de la taille d'un enfant de deux mois, de façon à ce que les experts puissent montrer quels avaient été les gestes en manipulant cet enfant. Alors, la violence subie par Lubin saute aux yeux. L'expert va prendre le baigneur, va tordre la jambe pour montrer comment est-ce qu'on arrache un genou, va également prendre le baigneur et faire le geste de le projeter contre un mur pour montrer que la fracture du crâne n'a pu être faite que par une projection et non pas par un choc contre un objet inerte. La violence des coups est terrifiante, surtout lorsque le médecin frappe de toutes ses forces la poupée contre la barre des témoins. Et tout le monde dans la salle, il y avait un silence, j'ose dire, de mort qui régnait dans la salle. Oui, c'était une image très frappante. Et à ce moment-là, Jérôme et Magali dans le box étaient défaits, complètement défaits. Dans le box, les époux Duchemin restent prostrés, silencieux. Aucun des deux ne craque. Le procès s'enlise. Il n'y a toujours pas d'aveu, pas de mobile, pas d'indice matériel. Le président des assises décide de rajouter une journée d'audience. Après 4 jours de débat, on a cependant quelques certitudes sur l'emploi du temps des parents de Lubin. Quand on aborde vraiment la chronologie des faits, les derniers jours de Lubin, c'est là où en fait se dessine autre chose, qui n'est pas la culpabilité de Magali, mais qui serait plutôt l'impossibilité matérielle pour Jérôme Duchemin d'avoir commis ces actes-là. Dans les dernières semaines de la vie de Lubin, le père explique qu'il est très peu chez lui. Il part tôt le matin et rentre tard le soir. Sa femme, en congé maternité, s'occupe seule du bébé, en son absence. Dès l'instant, et je pense que c'est ce qui a été déterminant dans l'esprit des jurés et des magistrats, dès l'instant où Jérôme Duchemin reprend ses activités, c'est-à-dire ses activités de professeur de violon, ses activités de concert, eh bien, à partir de ce moment-là, les experts datent les fractures. Et c'est à partir du moment où Magali Guillemot est seule que les fractures apparaissent. La coïncidence des dates est troublante. Au moment des premières fractures, Jérôme Duchemin ne s'occupe de son enfant que la nuit et sa femme est toujours à proximité. Si Jérôme Duchemin a porté des coups, quand a-t-il pu les porter puisque Magali Guillemot était tout le temps là?
Si lui était coupable, pourquoi elle n'a-t-elle rien vu? C'est impossible. Enfin, là, se dessine quelque chose, d'un seul coup, c'est un tournant. On se dit, mais oui, à quel moment a-t-il pu battre cet enfant? C'est un raisonnement par défaut. Si Jérôme n'a pas pu le faire, c'est Magali la coupable. C'est la logique de ce procès. Si ça n'est pas l'un, c'est l'autre. Les psychiatres, eux, sont plus nuancés. Le problème fondamental de ces expertises, de cette situation, c'est que d'un côté, on cherchait un coupable, un innocent, et que de mon côté, si j'ose dire, on cherchait à comprendre comment, à deux, ils s'étaient laissés entraîner dans cette situation. J'ai pas pu répondre qu'il y en avait un ou l'autre qui était coupable ou qu'ils étaient tous les deux coupables. C'était conjointement, on peut dire conjointement s'agissant d'un couple, conjointement, qu'ils ont été responsables des événements. Alors quelle doit être la sanction de la société? C'est pas à moi d'en juger, hein, c'est pas à moi de le dire. C'est la fin du procès. L'avocat général Jacqueline Amara prononce le réquisitoire. Elle rejoint les psychiatres. Ce qui a tué l'enfant, c'est le couple. Il a fallu vraiment la mise en résonance de ces deux personnalités pour arriver à ces maltraitances. Sinon, je suis persuadée qu'avec un autre mari que Jérôme Duchemin, Magali Guimond ne se comportait pas comme cela. Ça n'en rend pas Duchemin coupable pour autant. Mais il fait partie de l'alchimie qui a amené à ces gestes. Le couple était pathologique, comme on dit, mais l'avocat général est très clair. Seule Magali Guimond a pu porter les coups. Elle dit « c'est mon sentiment, il vaut ce qu'il vaut, mais il faut trancher ». Sa démonstration s'appuie non pas sur les faits, mais sur la psychologie d'une mère humiliée par son mari qui ne l'aimait pas. Il peut y avoir un raisonnement, il peut y avoir un enchaînement de faits, une lecture du dossier et tout, mais quand on en est réduit à faire part de ses impressions et de son sentiment, je trouve ça trop fragile, beaucoup trop fragile, parce qu'en regard de ça, vous avez des années de prison et les risques, une impression, l'erreur est humaine et je veux dire, personne n'est infaillible. Hein. Je vais demander à ce qu'elle soit désignée comme coupable et sur le plan de la peine, je me rappelle de mon raisonnement, c'était de dire ces 30 ans qui sont courus, eh bien vous la condamnerez à 15 ans, les autres 15 ans, c'est les 15 ans, c'est la responsabilité de Duchemin, non pas qu'il aurait fallu lui donner 15 ans, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est que je ne la considérais qu'à moitié responsable de ce qu'elle avait fait dans le couple, dans la mise en résonance du couple. Ils ont été deux. Elle a seule agi, mais ils ont été deux à fabriquer ce meurtre. Ce réquisitoire psychologique est très critiqué. Les avocats de Magali Guimond martèlent l'absence de preuves, brandissent le spectre de l'erreur judiciaire. Les parents de Magali sont révoltés. Je suis absolument scandalisé. Indigné. C'est une honte de voir la justice se fourvoyer comme ça. C'est une... Avec des arguments de Roman Feuilleton. Qu'est-ce que vous plaidez, qu'est-ce que vous tentez pour sauver Magali Guimond de la condamnation qui l'attend? Je tente de plaider ce que, à mon avis, tous les avocats du monde auraient plaidé, c'est-à-dire un immense doute. Je dis que dans cette affaire, nous ne possédons pas la preuve que Magali est une mère criminelle. Enfin, voyons, réfléchissez deux secondes. Cette jeune femme, centralienne, qui, les psychiatres le disent, est absolument normale, et qui n'est pas psychopathe, qui à aucun moment n'a de proportion à se transformer en criminel. Vous croyez que brusquement cette femme va devenir la sorcière qui a enfourché son balai et persécuté son fils? Ça ne résiste pas à l'analyse. Au moment de rendre leur verdict, les jurés sont bien embarrassés. On leur a désigné deux accusés pour la mort de Lubin. À la fin du procès, ils peuvent dire soit que l'un est coupable et que l'autre est innocent, soit que les deux sont coupables. Mais ça, le procès a démontré que ça n'était pas possible. C'est donc l'un ou l'autre. Mais ça ne peut pas être beaucoup l'un et un peu l'autre, l'un qui a martyrisé et l'autre qui a fermé les yeux. C'est donc un piège judiciaire, celui qui est acquitté sort libre définitivement. Les 9 jurés et les 3 magistrats se retirent maintenant dans cette pièce pour délibérer. Tout va se jouer sur leur intime conviction. C'est justement ce qu'on leur demande et ce que leur demande la loi. Ils n'ont pas à expliquer pourquoi ils condamnent ou acquittent. Ils doivent répondre à une seule question. Avez-vous une intime conviction? Après moins de 3 heures de délibérés,
La sonnerie retentit. Jérôme Duchemin est acquitté. Je me suis retournée immédiatement vers lui. Bon, bah, il était fou de joie. Ses parents sont venus m'embrasser, sa sœur. C'était l'aboutissement auquel je croyais depuis le début. Mais avec, encore une fois, je vous l'ai dit, il y a toujours, devant une cour d'assises, il y a toujours un risque. Bah, donc on était tous très heureux. Dans l'autre camp, c'est la consternation. Magali Guillemot est condamnée à 15 ans de prison. C'est un verdict très manichéen. Très tranché dans une affaire qui ne l'était absolument pas, où tout était en zone d'ombre, tout était en non-dit, tout n'était qu'incertitude. Et là, on nous sort un verdict très tranché, très radical, 15 ans pour elle, rien pour lui. Les gens étaient choqués par le verdict, hein. Les gens qui en parlaient étaient choqués par le verdict. Choqué parce que Jérôme Duchemin est remis en liberté. Choqué aussi qu'on condamne une mère, parce que ça paraît quand même... Cette image de la mère meurtrière, je crois que les gens veulent pas de ça. Ça m'a extrêmement choqué de dire oh, bah, le père, il a rien vu, mais c'est normal parce que bon, c'est le père, les pères, ça a pas toujours temps de voir. Par contre, la mère, elle a rien vu, alors ça, c'est pas du tout normal. Bon, donc voilà, ça fait une présomption de culpabilité de plus, alors c'est elle. À l'énoncé du verdict, Magali Guillemot n'a pas réagi, ni cri, ni larmes. Son avocat, lui, sort révolté de la salle d'audience. Puisque la nouvelle loi m'en donne la possibilité, je retournerai devant des juges qui, je l'espère, consacreront l'innocence de cette femme. Je vous remercie. Car depuis quelques mois, en France, on peut faire appel des verdicts d'assises. Mais à l'époque, uniquement quand on est condamné. Jérôme Duchemin, acquitté, ne sera donc pas rejugé. Dans l'attente du procès en appel, Magali Guillemot retrouve donc la prison des femmes de Versailles. Pas pour longtemps. Un coup de théâtre. Magali Guillemot sort libre de la maison d'arrêt de Versailles, libre 4 semaines à peine après sa condamnation à 15 ans de prison pour avoir provoqué la mort de son bébé, Lubin. Cette libération surprise dans l'attente du procès en appel est obtenue devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles. C'est un jugement inédit. C'est vrai que tout le monde s'est dit que Lombard avait réussi un gros coup, vraiment. Hein. Il avait réussi un gros coup. Pas dans la salle d'audience, mais après, que c'était vraiment, vraiment exceptionnel. C'est un cas unique. Magali Guillemot est la seule en France à avoir bénéficié d'une remise en liberté aussi rapide après une condamnation aux assises et dans l'attente d'un procès en appel. Alors, donc, Magali Guillemot est condamnée et elle fait appel, comme le lui permet la justice, et elle est libérée. Oui. Dans l'attente de son procès en appel. Oui. C'est du jamais vu, ça. C'est du jamais vu parce qu'on avait peut-être jamais vu un procès aussi inquiétant que celui-là. Vous savez, moi, j'ai navigué dans les cours d'assises, hélas, depuis un temps largement prescrit. Mais je dois dire que je suis sorti bouleversé du verdict de Nanterre. Et je me suis dit, il faut absolument que tu soumettes à la chambre de l'instruction de Versailles cette affaire et que tu lui transmettes ton inquiétude, peut-être même ton désarroi. C'est ce que j'ai essayé de faire, c'est ce que j'ai réussi, et ça a fait un tollé absolument extraordinaire. On est allé inventer je ne sais quelle piste secrète, alors que la chambre d'accusation de Versailles, en toute indépendance et dans la plénitude de sa juridiction, a décidé de libérer Magali. Et si ça s'était jamais vu, bien ça s'est vu. Voilà une femme qui devait aller en prison, qui ira finalement en prison. Et entre-temps, on la relâche. Il y a quelque chose qui vient nier le verdict du jury populaire. Pas du tout. Pas du tout. Le verdict du jury populaire subsiste. Le verdict du jury populaire, je n'y peux rien, c'est comme ça. Je le condamne, a dit que Magali était coupable. Ça ne veut pas dire que Magali devait garder prison. La chambre d'accusation, qui est maîtresse des portes de la prison, les a ouvertes, et Magali est sortie. Elle va sortir une seconde fois. Après le verdict de Paris, mais n'anticipons pas. Magali Guillemot est libre. Elle est à nouveau présumée innocente, jusqu'à son deuxième procès. Autour d'elle, un comité de soutien se crée. 800 personnes signent une pétition en sa faveur. Des proches, des amis, mais aussi de simples citoyens révoltés par la condamnation. On s'est réunis d'abord, puis on s'est dit, bon, ben, on va peut-être monter une association, on va tout reprendre et on va
travailler, puis on va essayer de comprendre ce qu'a subi Lubin, ce qui s'est passé, enfin bon. Les partisans de Magali se plongent dans le dossier, les témoignages, les expertises médicales. Ils cherchent les failles dans l'enquête. Par recoupement, enfin, disons, en cherchant, en investiguant, on a quand même vu qu'il y a des symptômes qui sont caractéristiques du syndrome du bébé secoué. C'est une piste qui peut être étayée par des éléments du dossier, qui aurait nécessité d'être complétée, investiguée, et qui n'a pas été faite au cours de l'instruction. Le bébé secoué, un geste commis par un parent énervé, sans volonté ni conscience de faire mal. Cette piste, évidemment, intéresse la nouvelle avocate engagée par Magali Guillemot. Elle consulte des médecins. Oui, le syndrome du bébé secoué pourrait expliquer les lésions cérébrales de Lubin. Et ça n'est pas considéré comme étant de la maltraitance. Je me renseigne, je vais voir des experts qui m'expliquent le mécanisme du bébé secoué et qui m'expliquent notamment qu'un enfant secoué ne pleure pas forcément. C'est-à-dire que lorsque un parent secoue son enfant, il est généralement en difficulté vis-à-vis de cet enfant. Il y a des problèmes de biberon, il y a des problèmes d'autorité, il y a des problèmes d'intolérance. Et lorsque cet enfant est secoué, cet enfant peut être en apnée et donc ne plus avoir de souffle et donc ne pas pouvoir crier. Ainsi se dessine un nouveau scénario. Jérôme secoue Lubin, qui ne pleure pas, ce qui explique que Magali ne s'en aperçoive pas. Scénario conforté par des études américaines qui montrent que ce sont les pères, les papas, qui en général secouent leurs enfants. Cette théorie est inespérée pour la défense à la veille du deuxième procès. Un an après le verdict de Nanterre, revoilà Magali Guillemot devant les assises. Cette fois, le procès a lieu à Paris. Le visage est tendu, ferme, grave. Pour Magali Guillemot, ce procès est certes une nouvelle chance, mais c'est aussi une épreuve, celle d'un face-à-face qu'elle redoute. Acquitté, innocenté par les jurés de Nanterre, Jérôme Duchemin se présente aux assises, accompagné de son avocat. Il veut s'installer face à son épouse sur le banc des victimes. Un cas de figure inédit dans les annales judiciaires. La loi, en effet, n'a pas prévu une telle situation. Jérôme Duchemin, acquitté, demande à être reconnu comme victime devant les assises. La cour refuse. Ses avocats doivent quitter l'audience. Le père de Lubin se retrouve seul dans la ligne de mire des avocats de Magali. Et je savais que Jérôme Duchemin, à partir de ce moment-là, allait être l'objet de toutes les attaques de Magali Guillemot et de ses conseils. Et ça a été cela. Magali, quasi muette lors du premier procès, se lâche. C'est lui, l'assassin de mon fils. Et elle parle encore. Et pour la première fois, elle trouve les mots pour évoquer la mémoire de son petit bébé. C'était tout le temps des mots très affectueux où elle soulignait comme si elle soulignait tout le temps. Alors c'était mon petit Lubin, mon bébé, mon amour, mon pitchoun. Et l'année d'avant, et c'est tout juste, c'était capable de nous en parler. Je dirais pas que ça sonnait faux, mais c'était un peu trop. Quand elle essaie de dire, peut-être de se faire violence elle-même finalement pour pouvoir dire les choses et passer ses propres blocages, on la croit pas. C'est bien dommage. La thèse du bébé secoué non plus ne convainc pas, car à la barre, les médecins viennent expliquer unanimes que ce syndrome pourrait expliquer les hémorragies cérébrales de Lubin, mais sûrement pas ses multiples fractures. Et donc, si ça n'est pas lui, c'est elle. Mais cette fois, elle se défend mieux. Elle nous dit, mais enfin, j'ai pas pu faire ça, parce que durant la vie de mon enfant, 6 fois, à 6 reprises, je l'ai amené chez les médecins. Parce que j'étais inquiète pour si, parce qu'il fallait faire tel vaccin, parce qu'il y a telle visite de contrôle chez le pédiatre. Comment voulez-vous, nous dit-elle, comment voulez-vous que ça soit moi qui ai porté ses coups alors que je l'amenais chez le médecin? Si c'était moi, j'aurais dû avoir peur, j'aurais dû le cacher. Donc c'est vrai que ça, c'est troublant. Après 3 jours d'audience, changement de décor. Au début, ce procès est dans une grande salle d'assises, très ouverte, très... Bon, avec beaucoup d'espace. Puis elle va se terminer dans la petite salle d'assises de la cour d'assises de Paris, où les gens vont se retrouver les uns un peu plus entassés les uns sur les autres. Et la tension va naître à ce moment-là plus fortement. Il y aura beaucoup plus de tensions et de conflits.
La tension monte effectivement et un incident éclate. La défense fait comparaître à la barre comme témoin une magistrate à la retraite qui a suivi le dossier à la cour d'appel de Versailles. Tout bascule le mercredi soir quand Madame Guesguerre-Déryx, qui est magistrate à la cour de Versailles, vient témoigner pour dire l'instruction a été faite à charge, elle a été mal faite, et y a eu des lacunes. Alors là, il y a une colère absolument foudroyante de l'avocat général Philippe Bilger. Et très rapidement, on ne discute absolument plus du procès, ni de l'instruction. On a un affrontement entre deux magistrats, et Magali, elle, comprend tout de suite, et elle se dit, si c'est comme ça, si on est dans cet état d'esprit, si un haut magistrat qui vient témoigner en ma faveur est reçu de cette manière, je n'ai aucune chance. Et en sortant, je me souviens, elle m'a dit, c'est fini. Dernier jour du procès. Magali Guillemot ne croit plus en son acquittement. Et Jérôme Duchemin craque. « J'aimerais que la vérité éclate. C'est un cauchemar !» dit-il en sanglotant. Vient le réquisitoire de l'avocat général. La chose qui a fait basculer le procès, c'était l'attitude de Philippe Bilger. Il a réussi, je pense, à convaincre les plus sceptiques ou les quelques personnes qui pouvaient avoir été amenées à douter que Magali Guillemot était coupable. On dit que c'est vous, dans ce procès, qui avez fait basculer les jurés en faveur de la culpabilité de Magali Guillemot. Je l'espère. J'étais persuadé de sa culpabilité. Il me semble que lorsque, en totale sincérité, on est persuadé d'une culpabilité et qu'on peut offrir des éléments de conviction et de preuve, je ne doute jamais à ce moment-là, non pas de ma faculté de persuasion, mais du moins de la démarche extrêmement forte et puissante qui peut mobiliser les jurés. Le scénario pour vous de la mort de Lubin, c'est quoi ? Le scénario, c'est qu'on a une femme intelligente et désespérée. On a une femme qui a été déçue sur beaucoup de plans. L'arrivée de ce petit garçon arrive dans des conditions qui lui apparaissent comme très douloureuses. Une déception totale dans le rapport amoureux et conjugal. Donc c'est à partir de cela que je développe un réquisitoire qui tente de prendre en compte une réalité matérielle, des preuves matérielles objectives qui implique Magali Guillemot et exclut Duchemin, puisque apparemment il fallait tout de même pratiquement le défendre, puisqu'on n'était pas loin de refaire son procès en permanence, et la perception psychologique qui a été très importante pour moi, parce que j'ai compris en l'élaborant que les mobiles classiques n'avaient pas de sens avec elle. Je ne crois pas à l'existence d'un mobile extérieur au couple. Je ne crois pas que Magali Guillemot ait causé ces violences ayant entraîné la mort du petit Lubin parce qu'elle voulait se venger de Jérôme Duchemin. Elle voulait peut-être se venger plus gravement de ce qu'était devenue sa vie. Et en ce sens-là, elle est clairement, pour moi, coupable et victime. De sorte que j'ai requis 10 ans et c'était ce que je souhaitais. Je ne voulais surtout pas les 15 ans de Nanterre. Après 7 heures de suspense, le verdict tombe. Les jurés ont suivi l'avocat général à la lettre. En trois mots, en l'espace de quelques secondes, le président a déclaré qu'on l'a jugée coupable et qu'elle était donc condamnée à 10 ans. Moi, honnêtement, je me suis effondré. Je crois que le président n'avait même pas fini sa phrase, qu'elle s'est levée, qu'elle a empoigné son manteau et qu'elle s'est précipitée vers la porte de sortie, au point que les policiers qui devaient l'encadrer l'ont rattrapée. Et il y avait un juré qui s'est levé, elle l'a bousculée pour partir. Et vraiment, sans un regard, sans se retourner vers la salle, les gens étaient tous debout, en train de, dans un état d'émotion intense, et elle... C'était fini. Les avocats de Magali Guillemot tentent de comprendre et d'analyser le verdict. Je me mets à la place des jurés. Il y avait un acquittement définitif en première instance. S'ils acquittaient Magali Guillemot,
Il n'y avait pas de responsable dans la mort de Lubin. Magali Guillemot abat alors sa dernière carte. Elle se pourvoit en cassation. Et chose incroyable, en attendant l'avis de la plus haute juridiction, la mère de Lubin est libérée après seulement 8 mois de prison. Une deuxième fois, elle bénéficie d'une remise en liberté exceptionnelle, incompréhensible. Dans la presse, l'avocat général s'insurge. Je n'ai pas pu me taire parce qu'en général, je n'ai pas pour habitude d'avouer les étonnements que m'inspirent certaines décisions judiciaires. Mais là, il m'a semblé important d'intervenir dans la mesure où j'y ai vu le paroxysme de ce que j'ai appelé la jurisprudence criminelle Guillemot à côté de la jurisprudence criminelle ordinaire. Je trouve que, pour parler familièrement, ça faisait tout de même beaucoup, là. Et je n'ai jamais compris pourquoi... avant que l'exécution redevienne normale, ce qui est le cas à l'heure actuelle, il y avait eu tant de choses, à mon sens, étranges dans la gestion de cette procédure criminelle. Soyons clairs, on vous accuse d'avoir fait jouer des amitiés occultes, d'avoir fait jouer une conjuration de journalistes, de magistrats et d'avocats pour obtenir la libération de votre cliente. Non, enfin, nous sommes absolument dans l'univers des romans policiers. Nous sommes plongés dans la série noire. Bon, venir prétendre une sottise pareille est une chose qui me fait même pas rire. Ça me laisse pantois. Je trouve ça vraiment relevé du fantasme le plus délirant. En attendant l'avis de la Cour de cassation, Magali Guillemot, libre, lance une contre-offensive médiatique. Elle signe un livre et parle à la télé. De cette longue tragédie, quel est pour vous le moment que vous reconnaîtrez comme le moment le plus terrible de votre vie ? Mais je crois sans hésiter que c'est la mort de mon enfant. Ma vie s'est écroulée en fait quand je l'ai perdue. Et c'est vrai qu'après ça a été une longue descente aux enfers parce qu'en plus j'ai réalisé que... qu'il avait subi des mauvais traitements. J'ai mis très longtemps à l'accepter, mais c'est la réalité, donc ma responsabilité de maman qui n'a pas su le protéger. Et ça, c'est quelque chose que je porte depuis comme un fardeau et qui me suivra toute ma vie et que je ne me pardonnerai jamais. Et j'ai perdu complètement confiance en moi parce que c'est vrai que jusque-là, j'avais eu un bon contact avec les gens. Et du jour au lendemain, m'a trouvée arrogante, antipathique, froide, distante. Et du coup, j'osais même pas parler. Et pourtant, Magali Guillemot a été jugée coupable par 2 fois. Alors comment comprendre qu'une mère ait pu tuer son bébé ? Michel Dubec est psychiatre, expert auprès des tribunaux. Il est aussi spécialiste de ce qu'on appelle les couples pathologiques. Il a témoigné au procès de Paris. Qu'est-ce qui fait qu'une mère peut avoir envie de tuer son enfant ? C'est très difficile à comprendre. Mais à la fois, lorsqu'on examine une mère qui a tué son enfant ou qui est supposée l'avoir tué, on imagine un certain nombre de choses avant de la voir. Et puis quand on est devant elle, on s'aperçoit que ce n'est pas un monstre, que dans la majorité des cas, ce n'est pas une malade mentale, qu'elle n'est pas perverse et qu'en plus elle aime son enfant. Et cette dernière proposition peut vous surprendre. Parce que, si vous voulez, il y a quelque chose qui agit en elle à son insu. Je vais vous donner un exemple. Bon, tout le monde connaît à peu près la notion d'inconscient. On sait bien que quand l'inconscient débarque, il nous surprend. Que quand on rêve, on agit le rêve, mais qu'on se réveille. Donc on sait qu'on a rêvé. Quand on commet un acte manqué, on le regrette à peu près immédiatement. Ou quand on commet un lapsus, tout le monde rigole. Bon, très bien. Donc, on est surpris par l'inconscient, mais on s'en aperçoit. Et puis, il y a un cas qui s'appelle le clivage. Le clivage, de quoi il s'agit ? Il s'agit d'un inconscient qui agit clandestinement. Autrement dit, il continue d'agir et l'autre partie de la personne ne s'en aperçoit pas. Et donc, appliqué à notre affaire ? Appliqué à notre affaire... une mère ou un père peuvent commettre des mauvais traitements, commettre des maladresses gestuelles selon une partie de leur personnalité et l'autre partie de cette personnalité ne perçoit pas ce qu'elle fait. Si bien qu'on peut à la fois faire les choses, ne pas les reconnaître, les nier et
in fine, ne pas s'en sentir coupable. Alors, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que, puisque c'est son inconscient qui a agi à son insu, peut-être, alors qu'elle n'est pas responsable du tout, et qu'on ne doit pas la juger? Non, ça on ne peut pas le dire, parce que les seuls cas où on n'est pas responsable du tout, c'est lorsqu'on présente une maladie mentale chronique et que l'acte qu'on commet est directement en rapport avec cette maladie. Si vous n'êtes pas malade, vous pouvez commettre des actes involontaires, mais il n'empêche que vous en restez responsable. Et d'ailleurs, le fait de vous déclarer responsable est le seul moyen pour vous de triompher du clivage. Vous y êtes contraint. Et lui, Jérôme Duchemin, comment est-il possible qu'il n'ait pas vu que sa femme martyrisait le bébé? Si le couple est pathologique, si ce phénomène qui, justement, n'est pas une maladie de l'individu, mais vient de son association avec quelqu'un d'autre, une association pathologique, si vous êtes dans le clivage, vous ne vous en apercevez pas plus que la personne qui agit. Pour simplifier, si c'est parce que le couple est tordu, que ça ne va pas bien, que l'inconscient surgit, forcément le mari ne le voit pas, quoi. On peut dire ça comme ça. Absolument, c'est-à-dire que, si vous voulez, lui aussi, il a intérêt à ne pas voir. En décembre 2002, la Cour de cassation rejette le pourvoi de Magali Guillemot. Elle confirme sa condamnation à 10 ans de prison. La coupable, c'est elle, définitivement. Et elle retourne derrière les barreaux. Sa vie est terminée. Enfin, quand elle va sortir, je pense que ça sera à la fois une autre personne, une autre vie, mais certainement pas celle pour laquelle elle avait travaillé si dur. On a cassé quelqu'un qui était formidable, qui avait tout pour elle, qui avait... C'est honteux, elle avait droit à une vie. Elle a des qualités, elle est courageuse. Elle a... Et puis on l'a complètement... Ça n'a pas de nom ce qu'on lui a fait. Jérôme Duchemin, libre, innocenté par la justice, porte toujours le fardeau de ce drame. Selon ses avocats, c'est un papa brisé. S'il ne parle pas, s'il se refuse à parler, il n'a jamais donné aucun interview à la différence d'autres, parce qu'il ne peut pas en parler, parce que dès qu'on aborde le problème avec lui, immédiatement, il se met à pleurer, il se met à sangloter, il est profondément, mais vraiment, bouleversé par cette histoire. Et c'est ça qui fait que j'ai la conviction totale, du fait qu'il n'est strictement pour rien dans la mort de cet enfant, qu'il continue à pleurer. Aujourd'hui encore, Magali Guillemot se bat pour tenter de démontrer son innocence. Son avocat multiplie les recours devant le président de la République, qui en France a le droit de grâce, et devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et à chaque fois qu'elle dit « je suis innocente », eh bien, Jérôme Duchemin, son ex-mari, est forcément désigné coupable. Or, pour la justice, cet homme est blanchi à vie.